Dans ce cas, allons-y. Espérons que Shiva sera disposé à nous aider comme je l'ai prévu. Pour t'escorter, toi et tes camarades, dans la chambre des âmes. Exactement. Est-ce pour m'insulter que vous êtes venu du futur? Je ne suis pas une vulgaire mercenaire. Cette demande est bien en deçà de votre rang, votre majesté. Mais si nous n'atteignons pas la chambre, nous ne pourrons vaincre Kronika. Pourquoi? Parce que nous devons restaurer Sindel. Mon impératrice. Tu as capturé son revenant. Ensemble, Fujin et moi-même pouvons lui rendre la vie. Pourquoi? Pour la réduire en esclavage, comme l'a fait Quan Chi? Pour qu'elle puisse nous aider contre Kronika. Vous avez ma parole. Elle reviendra sans être sous l'influence d'un sortilège. Si j'ai bonne mémoire, vous étiez lié par le sang à l'impératrice. J'étais chargé de la protéger toute sa vie. Comme vous avez dû souffrir quand elle est morte. Ce n'était pourtant pas de votre faute. Vous ne pouviez pas la sauver à l'époque. Mais maintenant, vous le pouvez. Dans ce cas, non. Nous devons en parler à Kitana Khan. Sauf votre respect, votre majesté. Si nous approchons de Kitana... Elle va décapiter Zhang Zhong. Kitana n'a jamais apprécié mes contributions à l'Empire. Comme la remplacer par un clone maléfique? Oui, voilà. Le temps nous est compté, Reine Shiva. Nous devons agir maintenant, et nous supplierons plus tard Kitana de nous pardonner. Une fois que nous aurons ressuscité sa mère, acceptez-vous de nous aider? Malheureusement, en vous cachant de Kitana, je trahis le serment que je lui ai fait. Mais ma vie appartient à Sindel. Tu risques d'être reconnu par la garde impériale de Kitana. Exact. Il risque de ne pas être aimable. C'est fort possible. Nous y sommes presque. Il y a un escalier derrière ces portes. Et tout en haut... La chambre des âmes. Je la sens. Et le type était là, de la merde jusqu'au cou. Planqué comme un lâche tout au fond des latrines. Vraiment pas terrible comme cachette. Et encore pire pour mourir. Faites tout comme moi. Tu sais rien, Shiva? Et un cercueil? Qu'est-ce que tu comptes enterrer comme secret? Ça ne regarde que le Khan, Baraka. Toi et moi, on est partenaires. Ce qui regarde le Khan me regarde aussi. Tu n'es pas un Shokan. Je reconnais cette odeur. Tu sens comme... Shang Tsung. Ah.
voilà un drôle de couple. Si on disait qu'on passait les préliminaires et que vous nous suiviez bien gentiment, on va avoir une bonne petite conversation avec Itanakan. On n'a pas le temps de converser. Nous devons aller dans la chambre des âmes de toute urgence. Alors vas-y si c'est ce que tu veux. Mais on va garder Shang Tsung et ce cercueil. C'est agressif leur truc, hein. Je te présente mes excuses. Je t'avais prévenu, les Tarkatan parlent beaucoup, mais ils n'écoutent pas. Fight. On revient de loin hein, sur ce fight. Merde. Passer l'an. Tu parles alors que tu devrais écouter. Dis-moi la vérité, c'est qui dans le cercueil? L'impératrice. Nous pouvons la ramener à la vie grâce à la chambre des âmes. Seconde, Shiva. Tu vas ramener à la vie la mère diabolique de Kitana. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais ça s'annonce mal pour toi. Fight. Attention à ses guns, à lui. Ah.
Oh putain. À ta place, étranger. Ne restons pas là. Au nom d'Argus, qu'est-ce qui se passe ici? Shang Tsung, je me disais bien que je t'avais vu te glisser en dehors du Colisée. Tu as toujours été très vive. Nous n'avons pas l'intention de nous battre, Jade. C'est le revenant de Sindel. Nous pouvons la ramener à la vie pour qu'elle puisse nous aider dans notre combat contre Kronika. Allez, Jade, nous devons y aller. Vous ne m'avez pas convaincu. Mais si vous y arrivez, la chambre des âmes est occupée. Kotal l'utilise pour réparer sa colonne vertébrale. Si on le dérange maintenant, il pourrait ne pas s'en remettre. Nous ne le dérangerons pas, c'est promis. Tes promesses sont vides, sorcier. Nous ne ferons pas de mal à Kotal. Je suis ton allié. Aie confiance, tu dois me croire. La loyauté est des miennes à bon dos. Fight. Aie confiance. J'avais pas vu qu'il y avait une corde. Tu vas souffrir.
avez gagné. Dernier round. Double impact. Oh, tu t'en remettras. Qu'est-il ici, lui? Plus tard, Kotal. Pour le moment, nous... Je me souviens de ma captivité dans tes mines de chair, et je ne pourrais l'oublier. Tu as encore besoin de guérir. Je suis assez fort pour le tuer. Aujourd'hui, c'est notre allié. Grâce à sa magie, Sindel pourrait vivre à nouveau. La nécromancie est interdite. Tu as complètement perdu la raison. Inverse le sort que tu leur as jeté, sorcier. À toi de jouer. Je m'occupe de Kotal. T'opposer à moi. Si tu souhaites garder tes quatre bras, écarte-toi. Fight. Combat d'ours. Hein.
putain d'épée. Je réponds à la justice de Kitana Khan, pas la tienne. Reine Shiva. Kitana Khan, je... Non, ne dis rien. Jade m'a tout raconté. Rien de bon ne peut sortir des mains de ce sorcier. Il va ramener ta mère à la vie, Kitana Khan. Cela fait un millier d'années que je rêve de la voir vivante à nouveau. Mais son âme mérite mieux que d'être corrompue par Shang Tsung. Sa perversion s'arrête aujourd'hui. Tes serments sont bien vite oubliés, Shiva. J'ai été lié à ta mère pendant des millénaires. Je me dois de l'honorer. Fight. Alors j'essaie de interagir avec. Tu vas souffrir. Thank you.
d'élégance, aucune grâce. Une prendre sont fatales, hein. Si je vois rien. Pardonne-moi, Kidanakan. Bienvenue, Majesté. Moi aussi, je suis content de te voir. Suis-je en vie? Tout cela est-il réel? Oui, Dame Sindel. C'est un miracle que nous n'aurions pu accomplir sans tes loyaux sujets. Shiva? Majesté, aujourd'hui, je vous ai aidé. Mais trop souvent, j'ai échoué à vous protéger. Je ne suis pas digne de vous. Oh, allons, Shiva. Aujourd'hui, tu m'as offert le plus grand des cadeaux. Une deuxième chance. Ton devoir est rempli. J'ai une dette envers toi. Merci, Majesté. Où est ma fille? Oh, Kitana! C'est moi, Kitana, ta mère. J'aimerais me réjouir, mais tout ce que je ressens, c'est... Je n'étais qu'une enfant quand tu... Comment as-tu pu te suicider? Pourquoi m'abandonner ainsi? Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Après mon mariage forcé avec Shao Kahn, Quan Chi s'en est pris à moi. Il m'a accusé de distraire Shao Kahn. Ensuite, il m'a assassiné, et il a maquillé ma mort en suicide. Je m'en doutais depuis le début. Mais pendant tout ce temps, tout ce qu'on m'a dit à ton sujet, ce n'était que des mensonges? Alors qu'est-ce que je dois croire? Croire que j'ai aimé ton père, Jerod. Croire que je t'aime. Oh, mère! Ces retrouvailles sont touchantes, mais nous n'avons pas le temps de nous réjouir. Nous devons partir pour l'île de Shang Tsung pour achever notre quête. Je partirai bien avec toi, combattre à tes côtés, mais... L'autre monde a besoin de toi. Je sais. N'aie crainte, Kitana. Je reviendrai à la maison. Sindel a été ramenée à la vie. Shang Tsung ne mènerait jamais une mission aussi dangereuse si l'aide qu'elle lui a promise ne lui procurait pas un avantage décisif. Mais elle n'est qu'une simple mortelle.
est l'une des rares qui peuvent te nuire. Je n'ai absolument pas peur. Ils sont sur l'île de Shang Tsung. Ta couronne, Shang Tsung est au courant. Alors notre temps de préparation est terminé. Rends-toi sur l'île immédiatement. Nous ne pourrons pas gagner leur cœur, n'essaie même pas. Ne laisse pas ta nature généreuse te mettre en danger. Oui, mère, je comprends.